Installé dans une localité de la sous-préfecture de Kaïn, Bangolo, où il est devenu un riche planteur, Kwasi Kwame Lazar a été empoisonné, le samedi 21 mai 2022, lors d'une partie de beuverie par son petit frère. Le drame qui s'est produit, le samedi 21 mai 2022, à Tolakro, une localité de la sous-préfecture de Kaïn, à Bangolo, dans la région du Gaumont, et qui a vu Kakajia, 42 ans, empoisonner son grand frère Kwasi Kwame Lazar, 47 ans, montre bien que le philosophe anglais, Thomas Hobbes, avait raison d'écrire dans son grand livre de philosophie politique, Le Léviathan, que « l'homme est un loup pour l'homme ». Il faut vraiment être un loup pour poser un tel acte en effet, comment comprendre qu'un homme en possession de toutes ses facultés mentales, puisse empoisonner son propre grand frère qui lui a offert gîte et couvert, dans le seul et unique but de s'emparer de ses biens. Il faut vraiment être un loup comme Kakajia pour le faire. Les faits se sont déroulés, comme mentionné plus haut, le samedi 21 mai 2022, dans la localité de Tolakro, située dans la sous-préfecture de Kaïn, à Bangolo. Selon Soir Info qui les rapporte, Kwasi Kwame Lazar, originaire de Mbayakro, ville située au centre de la Côte d'Ivoire, à la recherche de terres cultivables, s'était installé à l'ouest, à Tolakro, où il avait obtenu quelques hectares de forêt. Les premières années sont très pénibles pour lui si bien que l'idée lui vient de retourner chez lui. Mais persévérant, il s'offre un deuxième champ dans lequel il plante du cacao. Bingo! Quelques années plus tard, Lazar est récompensé par ses efforts. Il peut désormais en jouir à volonté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il demande à ses parents de lui faire venir une femme du village. Ce brave paysan est aussi un bel étalon. Au bout de quelques années, trois enfants naissent de leur union. Les informations sur la nouvelle situation sociale de Lazar parviennent à son petit frère Kakajia au village. Ce dernier a aussi envie de réussir comme son grand frère. Alors, il le rejoint à Tolakro, où dit-on, la terre nourrit son homme. Son grand frère le nourrit et le blanchit et promet lui acheter une portion de parcelle à Man, non loin de Bangolo. Le cadet n'y voit pas d'inconvénient, mais après quelques mois passés chez son aîné, il ne veut plus bouger et n'a désormais Dieu que pour ses biens. Mais comment parvenir à mettre sa main sur les biens de Lazar? Une idée sombre lui vient à l'esprit. L'éliminer physiquement. Pour ce faire, il sollicite les services d'un marabout. Mais l'affaire éclate et le marabout prend la fuite sans pouvoir accomplir ce pourquoi il a été sollicité. Il réussit à verser quelques gouttes du poison dans le verre de boisson de son aîné au lieu de s'assagir, Kakajia revient à la charge et remet la somme de 450 000 francs à Kaka, 43 ans, pour lui trouver du poison très mortel. Cela fait, le samedi 21 mai 2022, il réussit à verser quelques gouttes du poison dans le verre de boisson de son aîné. Après une gorgée, Lazar se tord de douleurs intestinales. Et sa mort survient instantanément. Lire aussi Bangolo, une femme décapitée dans son champ de cacao, les meurtriers emportent sa tête, les circonstances du drame après son inhumation, toute la famille se rend à Mbayakro pour des cérémonies traditionnelles. Là-bas, la femme du défunt porte plainte contre Kakajia à la brigade de gendarmerie où il ne fait aucune difficulté pour reconnaître les faits, avant de citer Kaka comme son complice. Le criminel frère cadet est transféré par la suite à la brigade de Bangolo. Au début du mois de juin, le grappin a été mis sur son complice Kaka. Tous deux devront répondre de leur acte criminel. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.